Salut à tous, donc ravi de vous retrouver, ça y est la coop reprend ses droits. Et donc c'est en Inde, circuit un peu déchu, hein, qui aura donc duré que 3 ans et qui aura vu donc à chaque fois Sebastian Vettel s'y imposer et même glaner son 4e titre de champion du monde en 2013 sur sa ultra performante Red Bull. Donc on va passer un tour ensemble ici. C'est un circuit, bon, comme on les aime pas parce qu'ils sont dans des endroits un peu ridicules, mais il est assez sympa. Donc avec ce premier virage donc, de la pit lane des stands qui nous offre une zone de DRS. Donc ensuite on a une montée et là un premier virage assez technique puisqu'on le passe en première ici. Tout au ralenti, il faut vraiment suivre le cone avant de se relancer sur une énorme ligne droite avec un vallon un peu en descente et qui va remonter avec une zone de DRS. Très pratique pour les zones de dépassement, hein. Elle est très propice. Et puis après on va arriver sur ce fameux troisième virage, hein, où on avait entendu James Allison à l'époque crier sur Raikkonen parce que Grosjean allait le doubler, dégage de cette putain de trajectoire, avant de redescendre encore. Et puis alors là la deuxième partie du circuit est absolument terrible parce qu'elle est ultra technique, avec donc ces premiers enchaînements de virages vraiment très lents, parce que là perdre la corde c'est la catastrophe, avec un deuxième enchaînement qu'on passe beaucoup plus vite. Il faut rien lâcher ici avant de se relancer dans une immense courbe à droite où il y a une corde, une seule et unique, et puis il faut la garder parce qu'enfin il faudra accélérer à fond pour sortir très fort avant de s'élancer sur ce gauche assez terrible parce qu'il se passe pas à fond tout à fait, et ce droit avant de se relancer donc dans ce grand droit encore une fois pour replonger et finir sur le dernier virage, hein, où il y aura l'entrée des stands ici, et pouvoir se relancer sur la dernière zone de DRS donc, qui sera donc propice au dépassement. Donc un circuit assez sympa finalement qui va donner du fil à retordre à Angel et moi-même parce que la Lotus n'a tout simplement pas de vitesse de pointe. Allez, à tout de suite.